Pourquoi tu viens pas? Non, vraiment, tu viens pas, Patrick? Non, non, j'ai vécu au Pays-Bas. Ah, ok. Le président n'est pas là. Non, le vice. Ouais, moi, je fais avec qui tu es des côtés. Mon fils, mon petit président et vice-président. Qu'est-ce que tu as fait? T'as fini de donner? Allez. Mais fais maintenant qu'on est tout à donner, Patrick. Non, j'ai fini à donner la lettre. Hé, tu es le président là? Moi, je suis le président là-bas. Moi, allez, tu m'en vas pas, tu es dans le vin, moi, allez là. Allez là, en vin, là, nous. Côte vice-président. J'ai le, enfin, l'article. Pour voir le l'article là-bas. Mais c'est réjoui. Oui. Sivance, Sivance, tu as fini pour une boligote? Nous avons un truc de discussion. Dans ce moment-là, il y a beaucoup de monde. Non, les gars, t'as un move pour moi. Bon, merci beaucoup. Nous capables de commencer? Bien sûr, monsieur. Merci. Crise. Merci beaucoup pour cette présence aujourd'hui. Moi, pour dire que c'était short notice depuis la semaine dernière, mon fin. Dire qu'il nous peut appeler sa conférence de presse là. L'histoire pour démontrer que je ne vais pas tromper le 14e leader de l'opposition, mais the shortest in duration dans sa position là. Mofin, pendant qu'il m'a leader de l'opposition, je suis capable de dire qu'il m'a fini à envoyer une lettre de démission au président et aussi au vice-président de la République parce qu'il m'a fini à apprendre que le président Rupen n'est pas là. Alors, just to be safe, je suis fini à envoyer la lettre de démission au vice-président et au président de la République, effective aujourd'hui. Pendant ce moment qui m'utilise de l'opposition, là, couvert certains sujets qui clairement fâchent le gouvernement du jour. Pas pour réviner le savant sujet là qui fin fait assez l'actualité, mais par contre, pour choisir aujourd'hui de couvrir rapidement les derniers commentaires du Premier ministre sur le jugement de Yogida Sominaden. Mon ben camarade, pour confirmer que ce jugement-là, le jour qu'il y peut tomber, le matin, à 8 heures du matin, avant le jugement sorti, Mofin fini a envoyé un message à tout ban parlementaire du Parti travailliste et Mofin Diazot qui jugement peut tomber aujourd'hui dans l'affaire Yogida Sominaden. Et Mofin aussi Diazot qui me connaît qui est dans ce jugement-là. Mofin aussi Diazot qui me connaît qui Yogida Sominaden pour gagner bénéfice du doute. Mon capable dire où qui beaucoup nos bons camarades parlementaires fin assez consternés qui motidesa et connaît qui jugement là pour été. Mon besoin les sous dire aussi qui moi aussi moi consterné qui m'ont fin apprendre qui pour être dans ce jugement là. Allons dire que mon préfère pour le respect judiciaire ne pas aller plus loin. Suffice it to say que le matin du jugement de Yogida Sominaden, à 8 heures, avant même qu'il la cour prend, I knew already what the result would be. Deuxièmement, étant que je get le jugement de l'affaire, je peux commenter le rôle maman, en tant qu'avocat avec 32 ans d'expérience au barreau. Je trouvais qu'ils escalèrent. Personne pas fin commente le jugement. Parce qu'il y en a une perception qui dit que nous n'avons pas commenté un jugement à la cour. Au contraire, on a droit de faire l'analyse d'un jugement. Cela ne veut pas dire qu'il peut critiquer un jugement. Il y a une grande différence quand la dernière fois qu'il y a un ruling dans l'affaire Bruno Lorette, où on rappelle la réaction du Premier ministre qui y a aussi loin qu'insulter et critiquer de façon assez demeaning la magistrate qui te donne ce ruling dans l'affaire Bruno Lorette quand il gagne caution. Ça, c'était un contempt. Mais dans ce sagesse, la chef juge finit décider qu'il n'y a pas poil de l'avant avec une affaire de contempt
Ou pour rappel, à l'époque, quand Finéna, le chef juge Glover, qui fin décide pour aller faire contempt contre Aris Boudou, Finéna ban case of contempt quand Finéna critique et insulte, uncalled for, Finéna ban case of contempt. Mais cette fois-ci, dans ce sagesse, la chef juge fin décide pour ne pas ask an inquiry into institute proceedings for contempt of court contre le premier ministre pour ce ban commentaire contemptuous contre un magistrat. Troisièmement, dans ce jugement-là, il y a quelque chose qui fin, moi besoin de dire, interpelle-moi. Moi fin mettre ma note dans ce jugement-là, permette-moi commente le paragraphe 67 de ce jugement-là. Là-dedans, c'est une analyse du témoignage de Mme Kislen que le magistrat fait. Et tant bien. Il dit qu'il est nécessaire pour que la poursuite prouve beyond reasonable doubt que le témoin, Mme Kislen, partie employée comme constituency clerk de l'accusé, M. Yogida Sominaden. Dans sa paragraphe-là, le magistrat écrit « Witness 3, Mme Kislen, has denied having been employed as constituency clerk. » Que Mme là finit tout le temps dire « Zame m'ou pas fin employé comme constituency clerk. » Et l'indire qu'il zame m'ou pas fin gain aucun lazan paiement de la part Yogida Sominaden. Mais quand il y a le plus loin, magistrat là, paragraphe 71, pour dire qu'il fait, il n'est pas capable quoi, Madame Kislen, il dit là-dedans, qui plusieurs fois, Madame Kislen dit qu'il fin accompagne, ben demandant, ben Jimoun, dans le bureau CAB, pour joindre le ministre Yogida Sominaden, pour faire travail. Et qu'il fin aussi dire, accepter dans box, Madame Kislen, il a accepté, qu'il final, dans une réunion, une meeting de Yogida Sominaden. Et pour cela, il dit ici, I am of the view that Madame Kislen's version, that she does not know the accused personally, or that she only used to see latter from far, does not hold water. Given the nature of this offense, this is a major contradiction. Alors pour la magistrate, si ou un djimoun qui fin déjà amène des trois djimoun pour être un ministre dans le bureau CAB et qui un déjà alban meeting, cela veut dire qui, quand on peut dire zame ou tu es un constituency clerk, mou pas capable quoi. Mais peut-être la magistrate pas au courant et cela me dit en tout respect de ce qui a été mis devant elle. Mon camarade qui fait ministre ici, mon camarade qui fait député à un moment, pour connaître qui beaucoup de monde vient nous dans le bureau CAB et amène les autres mandants dans le bureau CAB et vient dans nos bonnes réunions, mais ça ne veut pas dire qu'il ban la nous bonne constituency clerk. Pareil comme Jagnat, il tient photo avec beaucoup de monde, incluant Deodani, mais pas veut dire qu'il Deodani sur constituency clerk. Comprends? Enfin. Deuxième, troisième, quatrième affaire. Il dit ici, qui est plus important encore, paragraphe 89. Il dit qu'il finit là, un bank statement fin produire dans la cour. Ça va un bank statement là, aucune place pas montrer que Madame Kislen in recevoir 14 790 roupies. Ce salaire. Parce que toute relation contractuelle qu'il y a, si one clock, si vous avez un travail avec quelqu'un, c'est une relation contractuelle. Ça veut dire pour qui ce contrat-là existait, quelque part, il y a un accord qui vous travaille comme constituency clerk, et deuxièmement, pour un prix qui est rémunération, ça veut dire 14 790. Si vous payez un paiement, vous payez un contrat. Madame l'a dit, vous payez un gain casse. Il donne trois bank statements. Et que ça n'a qu'une enquête là-dedans, la police. Cette même police, et le commissaire de police choisi par le premier ministre.
C'est lui qui enquête là-dedans. C'est lui, c'est un officier. C'est eux qui amènent à votre dossier à charge. Dans sa bank statement, il n'y a aucune place qui ne montrait que M. Sominaden ou quelqu'un d'autre fin verse 14 790 roupies par mois pour Mme Kisnen. D'accord? Alors, magistrat, plus loin, il dit là-dedans. Mais par contre, il n'y a aucune preuve qui obligeait de payer ça à l'argent là dans la banque. Tenez bien là. Il n'y a aucune preuve qui la poursuite une donnée qui l'argent là obligé de payer dans la banque et il n'y a aucune preuve qui dit que le ministre n'est pas capable de payer ça par lui-même. Cash. Et de ce fait, ça va un bank statement là pour la magistrate ne prouve pas que vous n'avez pas reçu d'argent. Là, je ne suis pas d'accord avec tout le respect. Et ce n'est pas une offense pour dire que je ne suis pas d'accord avec un magistrat. Parce que moi, je base moi l'opinion légale en tant qu'avocat et je base moi un jugement du conseil privé de la Reine qui datait de 2014, qui est l'affaire de Bizador versus the Independent Commission Against Corruption. Et l'affaire Bizador dit où? The board in here, the extent to which the burden on the accused relates to facts which, if they exist, are readily provable by him as matters within his own knowledge or to which he has ready access. Qui nous peut causer là? The burden of proof. Oui, la poursuite est dans the burden of proof, beyond reasonable doubt. Mais dans un cas comme celui-là, que l'accusé fin choisir de ne pas témoigner, fin garde ce droit de silence, quand lui, sa défense était quoi? Dans son enquête qui vient de produire à la cour, she was my constituency clerk. She was paid. If it is to your personal knowledge, the burden, the evidential burden shifts. It is therefore incumbent upon the accused to come and give evidence through means, pas seulement lui, mais through les autres means, qui ou, to your personal knowledge, si ou fin des appels lui, fin donne à la cour. Mais le fait que vous finissez choisir pour garder un silence total là, quand dans mon opinion légale, il y a un shifting of the evidence, of the evidential burden, là il y a un problème. Alors pour moi, il est très important de ne pas oublier comment je finis dire dans une publication dans le week-end et comment ça document-là dire que l'accusé peut gagner the benefit of doubt. Benefit of doubt veut dire le bénéfice d'un doute. Quel doute? Le doute, pour magistrat là, c'est qu'il possiblement il fait une faire l'offense ou possiblement il pas ne fait l'offense. C'est ça le doute. Et la loi criminelle, la loi pénale dit, lors sa appréciation là, quand il y a doute, il peut être interprété en faveur de l'accusé. Who shall benefit from the doubt? The accused. But the word doubt is important. Doute. M'aurait dire, qui doute? Doute qui ban case là, ban l'offense là, peut-être fin commette. Et il y a doute. Alors, M. Pravin Jagnat qui tape l'estomac, qui vient dire que Alaïla c'est une victoire comme pas possible, vous pensez que M. Pravin Jagnat est un ban standard qui est très bas. Sur ce que ça veut dire, l'honnêteté. Que ça veut dire, victoire. Pour moi, en tout cas, si un magistrat dit à moi, mon père de nous bénéfice du doute, et qu'il m'a un politicien qui peut défendre l'intérêt des peuples, mais vous connaissez qui m'a fait, m'a démissionné comme député. Parce que pour moi, il n'a droit et n'a aucune tasse, même un doute, le mot honnêteté. Et l'intégrité. Someone who holds public office must always, always aspire to high standards of integrity. And doubt is impossible and unacceptable. This is my standard. Moi, because invent ça, c'est le dimoun. Moi, because ça, moi. Moi, because invent ban ça, pour ban raison politique. Moi, because
chasse aux sorcières. Moi, parce que tout ça là, moi. Moi, parce que un magistrat il dit, I'm only giving you the benefit of doubt qui moyenna. Mais ça veut dire, I have doubt. That's why you're going to benefit from it. Mais ça qui peut dire, moyenna doute, mais moi pour les sous bénéficier, parce que la loi dit, moi le besoin des sous bénéficier. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'il parmi Jagnat fin oublier le béaba de la loi, parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas fini de défendre quelqu'un en cours, ou moi pas connaître l'une des affaires li en tout cas, mais il finit oublier le béaba. Ou peut-être qu'il peut donner li une colorable connotation pour de, dans son faveur. Okay? Est-ce que ces affaires-là finit établir qui sont les meurtriers de l'affaire de Kisnen? Non. Est-ce que cette affaire-là, la police finit enquêter les papiers Kisnen Papers? C'est ça qu'il étudie à l'effet de cause. Moi, soi-disant, moi, tu poses sa question-là d'un PNQ. Est-ce que ça, Pravin Jagnat finit être questionné par la police pour établir le contenu de ce papier-là, les invoices qui démontraient que possiblement Pravin Jagnat avec ce colistier, incluant Yogida Sominaden, fin dépense plus ce qu'ils ont fin dire dans la fille David? Possiblement, il y a une offense. Je ne connais pas. Mais est-ce que la police finit enquête là-dedans? Non. Est-ce qu'il s'affinale devant DPP pour être decided? Non. Est-ce que bonnes affaires procurement, qui magistrat dit dans l'enquête judiciaire, lui dire qui peut-être est one of the reasons that dans l'enquête judiciaire, that's one of the strongest motives behind murder. The assassination. Ça veut dire quoi? La police est enquêtée là-dedans? Tout ça, ben, dossier qui nous démontrait, ben, contrat, une gagné. Qui ministre là sur l'adresse? Donc, pour lui. Si vous pas trompé de mémoire, Mère Barthelmy, ça aime l'adresse, monsieur Kisnen, son compagnie construction. La relation incestueuse qu'il existait entre l'activiste du MSM qui ne retrouvait mot d'un champ de canne affreux. Ça n'a pas été élucidé parce que pour moi, les autorités pétrennent la patte. Mais ce n'est pas une coïncidence pour moi. Le fait qu'il s'éteigne du monde proche du pouvoir, je me suis pensé, M. Pravin Jagnat, je suis content de lui t'appeler ce mal-là. Je répète mon challenge à Pravin Jagnat. Je ne suis pas un aspirant premier ministre. Je ne suis pas un challenger direct. Si vous avez envie de débattre avec moi, ne mettez de côté au speaker. Vin maintenant n'importe qui plateau, vin en public, nous gagne débat, l'eau l'affaire Kisnen, et nous gagne un coup si vous pouvez capable de taper l'estomac et gagner victoire. Parce qu'il m'a promis de Pravin Jagnat. Il n'est pas pour accepter mon challenge. Parce qu'il perd sa challenge là. La frayeur d'un premier ministre. De quelqu'un qui même pas ce challenger. Alors, deuxième affaire, moi j'ai envie de couvrir aujourd'hui à part de cette affaire là. Mais, comment le parti travaille, c'est de dire, nous pas pour intervenir pour donner l'ordre de la police ou donner l'ordre de l'institution. Mais par contre, pour connaître la vérité, le procurement, pour connaître la vérité, le salaintoui M. Kisnen, pour bien connaître une fois qu'il nous vient au pouvoir et les jours sont comptés. Maintenant, une autre affaire qui est arrivée récemment, qui est encore montré où un pourrissement des institutions. Mon écrit une lettre aujourd'hui. Avant de démissionner, je peux laisser mon camarade Orvin assis dans sa hot potato là, je ne peux pas dire personne, à le Head of the Judicial and Legal Service Commission. Qui fait mon écrit sa lettre là et mon envoyé ça, The Chairperson of the Judicial and Legal Service Commission, parce que récemment, nous finissons une photo qui finit de montrer nous, M. Roshan Santoki, si vous ne pas tromper, le acting DPP, in office, Zodi. Un bureau du DPP qui bizarre et n'a une indépendance totale. Monsieur Santoki est vu ensemble avec les ministres du MSM dans une activité hautement politique, peut débouter l'estrade, peut demander politique, en action politique, ça pas diamant social, quand peut débouter ensemble avec Ban Ki-moon qui ban élu politique. Peut donner manger ban du monde, peut donner prix et peut faire campagne dans circonscription numéro 6. Quand un du monde qui est un public officer
employed by the Judicial Legal Service Commission to at the DPP's office, ou pas capable de faire ça. Alors moi, mon demande service, qui est chairperson of the Judicial Legal Service Commission, en tout respect pour l'indépendance, parce qu'il nous respectait la séparation de pouvoir, mais en tant que leader de l'opposition, avant qu'il me démissionne, c'était ma dernière action, mon envie connaît moi, premièrement, qui fait l'enquête pour commencer. Est-ce que c'est the new trend that while being a public officer, you can openly do politics with the movement socialiste militant? Si c'est le cas, il n'y a aucun problème. We understand qu'il y a now a new carve out qui peut faire dans ce cas-là. Si ce n'est pas le cas, me demande le chef juge, qui est chairperson of the Judicial Legal Service Commission, investigate. If no investigation has started, tell me why. Me pensez, moi, que la population en vie connaît. Parce que either we have a standard that applies to everyone, or we don't. OK? Mais en tout respect, il est possible que le Judicial Legal Service Commission commence une enquête. Il est possible que le Judicial Legal Service Commission in déjà envoyé une missive à cet officier, mais clairement, un du monde qui un aspirant, clairement, candidat choisi du MSM dans la circonscription numéro 6, qui peut aspirer pour un certain standard de probité, et un minimum qui nous vient faire, c'est ne pas violer un principe fondamental qui, quand ou dans officer de DPP, on n'a pas fait politique. Plus encore, quand on connaît qui ça même officier, tu parais de contre moi, dans l'affaire Bruno Lauret, quand tu peux objecter pour les gains de caution. Et souvent, on me trouvait, moi, qui pour moi, en tout cas, vous pensez qu'il est final beaucoup plus loin qu'il se dévoie légal. Je suis passionné à chaque fois qu'il me tue cause, elle nous a fait planter et elle nous a fait politique contre Bruno Lauret. La passion de M. Santoki, me comprends-lui aujourd'hui. Me comprends-lui. Quelqu'un de très passionné quand il s'agissait de défendre les intérêts du gouvernement. Très passionné. Mon papa dit qu'il finit faire ça avec malice aforethought. Mon papa dit qu'il tient un wrong intent. Mais moi dire, par contre, ça m'interpelle. Et ce qui m'interpelle encore plus, c'est que, et j'espère que j'ai tort, qu'il n'y a aucune enquête pas fin de commencer jusqu'à l'air contre ça officiel. Allô. L'autre affaire qui me tient content à adresser rapidement, c'est l'enfantillage de M. Pravin Jagnat. Tel un enfant qui est en manque d'attention et d'affection. Pour dire que soi-disant le parti travail, c'est une fire me et il est préparé pour attendre le prochain ténor. Premièrement, vous connaissez, si Enzo Pravin Jagnat félicite-moi pour faire mon travail comme leader de l'opposition, ça joue là, moi, besoin d'être mon écho par là. Parce qu'aucun leader de l'opposition qui n'a le self-respect cannot be congratulated for what he's doing by his opponent. Because if the opponent congratulates you and says, you are doing an excellent job, sir, and I admire you for the ability you have to question, that day, pour ça, de la même, moi, besoin d'être mon écho. Attendez? Allô, sorry. Et moi pas besoin aucun du monde du MSM pour venir commenter mon capacité. Au moment de dire, les filles félicitent Xavier Duval et Xavier Duval décide pour pas être sur les coups, pour un pont, c'est ce choix. Si peut-être Xavier Duval pense que c'est nécessaire, gagne, caresse les deux de la part du Premier ministre, fair enough. But that's not what I believe the name of the game is. Pour moi, appelle ça un foul. Quand on va essayer de dire très bon. On a trouvé ça où Manchester United dit Liverpool excellent at scoring against us. La dernière fois qu'ils nous mettent 7 au Manchester, je ne trouve pas comment dire qu'ils entraînent Manchester. Ils sont contents, ils félicitent nous tous. Non, ça ne se fait pas. D'accord? Mais bien sûr, c'est très enfantin de la part de Pravin Jagnat. Alors aujourd'hui, je veux dire, c'est avec honneur qu'il me représente l'opposition à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'était quelque chose qui, mon motif dire, même si c'était pour un jour, c'était une responsabilité immense qui me tient dans mes épaules. Aujourd'hui, quand je viens de démissionner, et je me disais ça dans un journal dans le week-end, Arvin Boulel, nous avons différents styles, mais il y a l'expérience qui m'a au pénal.
l'ENA, la diplomatie, et il finit aussi le chef de la diplomatie mauricienne, l'ENA, la diplomatie, mais il est très percutant dans ce qu'il y fait, et il peut faire lire à merveille, il finit déjà occupe sa position là, il finit déjà accule le gouvernement dans plusieurs façons. Moi, j'espère qu'ils ne pas félicité Arvin Boulel pour ce travail, et moi aussi Arvin Boulel, pas pour attendre une félicitation des autres pas, et il pourrait résider sa félicitation là. Alors, avec ces mots, moi, bien dire que moi, remercier tous les membres de la presse qui finent de moi, votre soutien, votre collaboration pendant qu'ils m'offinent, occupent sa fonction là. Moi, remercier tous mes camarades du parti dans l'opposition qui finent aide moi pendant ce moment très important de ma carrière. Moi, aussi remercier le leader du parti travailliste qui finent montrer moi sa confiance pendant que Ravine s'y en convalescence. Et moi, finent remercier le leader du parti travailliste qui finent refuse se soumettre à sa campagne communale que le MSM fin menait contre moi. Et il dit, tu connais qui tu pourrais aller, mais malgré cela, il fin base-li, l'eau, le mérite, et rien d'autre. Alors, pour cela, je remercie les autres. Et je connais que M. Patrick Assé-Baden, comme président du parti, perrande-li en ce moment-ci même à la présidence pour informer-li que l'opposition, incluant moi, à nos majorités, nous décide que Arvin Boulel doit reprendre le manteau, the mantle of the leader of the opposition, and qui nous retrouve lui au plus vite possible. Et première fonction qu'il est pour énorme, au penser, c'est la présentation du budget, comment nous finons tout le temps accepter. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour les prochaines affaires qui nous pour causer. Osman Mohamed will be the one who will wait for him to choose the date. Mais pour une présentation en Metrolix qui nous pas oublié. Et là, vous connaissez Alan Ganou, pas payé, vous sommeil. Ou en fait, vous connaissez comment il était, il fait amuser quand il n'est pas connu qui vous dit, il fait amuser comment on parle, nous tout connaît. Mais pour le moment, vous pouvez dire qu'avec ce que prépare le Metrolix, il pouvait se liser bien vite. Merci beaucoup. Si je n'ai qu'une question. Arvin, tu as quelque chose pour dire ? Non, mais félicite-toi. Merci beaucoup. Non, 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 non. Mais depuis 95, on parle. Bérodou. Un comprend qui fait Bérodou. Il y a une attention spéciale pour lui. Il vient aussi faire un commentaire qui, au moins, c'est dans la conscription, casse un petit peu, on va à la boutique, bat un petit lagoule. Petite réponse, là, ça fait tout. Là, on parle d'un il y a un problème de fond. Jamais il n'y a une dimension et une approche humanitaire politique. Et jamais il n'y a pas comprendre qui appelle l'attention qu'il vient de donner à l'électeur. Ce qu'on appelle le human war. Hein? Il finit toujours comme ça, très agressif dans ses propos, nous comment il agit au Parlement. Il finit toujours brutal. Et il finit un dimanche très violent. Et ça, moi, j'ai dit, sans crainte, hein, vous connaissez qu'il nous passe dans le campagne électorale, ça, c'est un esprit de défaitiste. Un politicien, tout à fait normal. Encore besoin de ça, human touch, ça fait toujours faire partie de ma façon de faire la politique. Il n'est pas juste pour moi seul, hein, pour tout mon camarade. Mais jamais il va y avoir l'occasion, je me suis posé en 2002. Prends un petit Coca-Cola. Il va me battre la gueule. Vous n'avez pas parlé, il fait des. Vous avez la classe pour faire ça. Allez, c'est ici dans ce coin. Vous connaissez, c'est des. Non, il n'y a pas un petit milieu pour. Moi du Manou. Non, mais ça, c'est sa façon de faire. Enfin, nous ne pouvons pas attendre d'un travail de faire un Parlement. Comme vous connaissez, moi j'appelle ça le Parlement de la dissolution. Nous avons beaucoup de séances, nous déjà en campagne électorale, et il connaît parce que dans ce ban discours de circonstances, il connaît pas plus gain, hein, le soutien
du grand public. Hein? Alors, dans ce cas, qu'il vous fait, vous jouez l'autre trip, mal réaction très primaire, hein? Agressif, verbal, et comme sur réaction, on trouve la façon de faire vis-à-vis de chacun, parce que chacun est tout le monde camarade. Alors, pour moi, c'est pas même le commencement de l'affaire, c'est la fin de l'affaire. Et Nicolas, ses jours sont comptés. Vous posez à 10 mounes tous les jours, vous avez une session interactive. 10 mounes, peut dire non, enough is enough. Et nous pouvons là une série de questions, bien sûr, qui nous vous demandent. Et nous connaissons la collision qu'il y a entre le speaker et le leader de House. Nous connaissons le coup très provoquant. Et bien sûr, nous ici, nous humains, nous pouvons agir et réagir. Mais vous espérez qu'il nous laisse souvent une question passer. Quand très bien, après 5 mois, on amène un bouchon de nos confidences contre le speaker. Et question qu'il m'a fait me poser, il provoque au départ un vice-premier ministre aussi. Donc, toute la question de Saint-Louis-Gate. Donc, et 4 questions qu'on très bien, l'eau, Angus Road. Jamais il m'a fini la réponse. Hein? Parce que, aujourd'hui, il y a une Financial Crime Commission. Et nous connaissons l'agenda politique de Financial Crime Commission. Et nous, nous serons, nous pouvons agir comme une équipe. Hein? Quand nous finissons de dire, un de vos premières déclarations, c'était fédérer l'opposition. Donc, très bien vous dire. Et aujourd'hui, ça, nous fédérer l'opposition autour de l'alliance. Et moi, je suis confiant sous le leadership du Dr. Amram, de Pierre Albert, une victoire, et sa victoire n'a pas pour obtenir au peuple mauricien. Okay. Vous pensez que l'occasion vous pose un PNQ? Ben, vous espérez, parce qu'il y a beaucoup des ondiers, il y a beaucoup, même là on peut demander, parce que pas oublier, il y a une extra supplementary là. Hein? Appropriation. Non, budget. Vous parlez du café, tu regardes mes sensés. Il y a même pays, est-ce qu'il pourrait y avoir finance bill? Et c'est vrai, bon, avec certitude, on va dire le nombre de séances parlementaires très. Bon, pourquoi le nombre très restreint? Hein? Nous, dans la campagne électorale, la mondiale est claire et nette. À quel moment, durant ou short tenure, comme leader de l'opposition, différence et qui se fait tout, partie trop longue, qui événement est mort couplice? Nous connaissons, on reste in peace, etc. Mais qui est mort couplice? En fait, honnêtement, ce qui fait marque moi, en fait, c'est le respect que la population a pour sa position. Un poste très très important que toute la population mauricienne connaît sur l'importance et quand ou en public et qui vous pose une question qui concerne le quotidien des Mauriciens et des Mauriciennes, non seulement les Mauriciens et Mauriciennes à l'île Maurice, mais même les ceux qui vivent à l'étranger, contactez-vous et remerciez-vous. Ça touche les Mauriciens et Mauriciennes qui vous posent une question d'actualité. Non seulement qui vous posent une question, pour prendre l'exemple qui m'a été posé lors le prix d'un médicament, ça touche tout du monde, quel que soit au parti politique, quel que soit aux communautés, tout du monde touché par l'augmentation du prix de médecine. Mais ce qui du monde vient apprécier, c'est que nous, comme parti, nous venons de l'avant avec une proposition. Une proposition pour introduire le parallèle impôt. Une proposition pour qui ben prix baisser de façon concrète et immédiate. Non seulement dans pharmaceutique, mais aussi pour ben, du monde dans l'habillement, dans les chaussures, dans ce que vous mangez, l'électronique, ben, l'auto, ben, pièce l'auto, qui le monopole arrêté. Du monde apprécie qu'il nous vienne avec une suggestion, une affaire concrète. Ce qui finit tous moi aussi quand même, c'est la joie que la bien cause ma circonscription numéro 3, la joie que ben, du monde dans mon moment de mandant, et je ne suis pas pour d'accord, moi qui finis éprouvé, parce que c'est la première fois que cette circonscription trouvait qui ken, de qui finit élu ici, finit leader de l'opposition. Et pour eux, c'est une fierté. Et ce qui m'a fini aussi gagner comme message, c'est qu'ils ont apprécié sa short moment, là, qui finit même donner un sobriquet après une jagnat que maintenant finit commence à appeler Lady Gaga. Alors, vous pensez, vous comptez Orvin pour qui Orvin qui pourra venir une longue carrière de chanteuse,
Lady Gaga, il continue dans sa tradition-là. Mais ce qui fait un choc, moi, par contre, c'est la virulence de l'attaque communale qui m'a fait subir. Ça a démontré qu'il connaît la défaçon qui vous fait politique. Soit vous faites politique qui n'a pas à tenir à manger ou faire lire avec vos tripes, comme on finit de dire. Vos tripes, ça veut dire peinard de choses réfléchies. Plutôt un gut feeling pour détruire du monde, pour mettre la frayeur dans les cœurs une communauté spécifique contre les autres communautés et pour rouler l'eau là. Ce n'est pas l'île Maurice. L'île Maurice n'est pas content, ça. Alors, ça fait un choc, moi, en fait. Ça fait un choc pour mes enfants aussi. Parce que mes enfants, c'est ben, on a quatre garçons, mais trois moins là-dedans. Je guette Internet, je guette tant de radio, je tente ce qui Pravin Jagnat dit, je trouve ce que les autres ministres disent, je trouve les insultes à l'Assemblée nationale, comme Bobby Arigam vient de dire moi communal. Et je trouve la légèreté avec laquelle le speaker prend position. Et mon cas, je dis, pareil que mon garçon, mes enfants, ce pays-là, je suis choqué par la capacité de ce gouvernement de faire de la politique de la sorte et qui va l'institution n'est que suivi la tête baissée. Voilà un peu mon expérience en tant que leader de l'opposition. Mon cas dit, Ban Mauricien, la politique n'est pas sale. La politique est salie par certaines personnes dans la façon qu'ils ont fait la politique. Un Ban Jimoun qui salit la politique, c'est Pravin Jagnat avec ce Ban acolyte. L'affaire, hein, à la lumière de ce que chacun nous dit concernant l'affaire Kistner. Vous voyez, sous son direction, il y a un attente dans le public aussi qui fait un appel contre ce jugement aussi. La difficulté, Arvin, c'est if it is a finding of fact, appreciation of the magistrate, normalement la Cour n'est pas content going to the findings of fact, it's the appreciation of the magistrate. Et deuxièmement, l'affaire Santeki. Il n'y a pas qu'à casser derrière, il peut faire une activité sociale. Mais on voit que c'est fini par sanction. Religieuse, hein, ou bien sociale? Non, non, il est religieux. C'est de la pure politique, politicale. C'est un simple. C'est politique, politicale. Donc, bon, on ne peut pas trouver qu'il fait à ce jour, va finir la sanction. Moi, je connais, OK, qui manière la police, parfois, agir même. Le système, on va dire le judiciaire, mais le système de la justice. Donc il trouve ça de près, et vous trouvez que la police fait une faible remorque, désobligeante, et qui manière de agir pour un ancien petit pipi. C'est un moment vécu. Okay? Bien sûr, on va loin de la chose, mais c'est un moment qu'on trouve. Et le grand public est tout ça. Donc, ce qu'on appelle la séparation de pouvoir est très, très important. La ligne de démarcation entre les institutions démocratiques est bien claire. Vous connaissez, il y a un dicton dans la loi qui dit à vous, « For you to have a fair trial, you need to have a fair inquiry. Yes. » So the quality of the result depends on the quality of the evidence. Who goes to look for the evidence? The police. If the police look for evidence properly, there is a guaranteed victory because of the quality of the evidence. If the police do not montrer diligence, traîne les pieds, et n'a pas alors evidence qui besoin, feu mon papa peut dire ça méchamment, vous connaissez comme mon papa, tu peux dire ça, tu parais sonne plus bien. La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. En d'autres mots, si les preuves de la magistrate qui sont préparées par la police, collectées par la police, et que la police pas nécessairement faire ce qu'il besoin faire, parce que dans tout cas c'est comme ça, mais ou pas attendre que magistrate là, pour capable, tout qui est coupable. Comprends? Si vous plantez pomme, vous pas gagner banane. Et là-dedans, la police, pour moi, besoin d'une refonte totale. L'indépendance de la police. Zou ou trouve un premier ministre capable d'être arrêté when he is in office, because of the independence of that police force, dans la façon qui du monde nomme commissaire, dans la façon qui le
la relation incestueuse ne doit jamais exister entre le chef de l'exécutif et un commissaire de police. Du moins, la perception d'une relation incestueuse ne vient certainement pas exister. Alors, pour moi, c'est les affaires qui m'ont venu dire, moi, respectons Mme Kisnen sous souffrance. N'a pas à ce là par Vin Jagnat, Vin dire, les sagrins qui madame là a été abandonnée par Avengers. Pravin, tu n'es pas fini dans l'enterrement, ni tu n'es pas fini présenter condoléances. Je ne vais pas oublier ça. Et moi, j'espère que tu n'es pas oublié ça, toi aussi. Nous avons fait un peu oublier, nous aussi, là, dans la conférence de presse, là, où nous dire qui est le conseillement là, avant de lui donner. Oui. C'est grave. Nos commentaires. Peut-être pour mon cas, déjà, où plusieurs dans la presse nous tuent au courant qu'il y a un top de bureau DPP pour candidat MSM. Là, nous avons dit M. Santo qui. Mais nous aussi, on dit qu'il y a un magistrat pour démissionner pour poser candidat pour MSM. Donc, ma question à où est-ce que. Qu'est-ce fait démissionner. Démissionner. Ça, c'est important, ça. Oui. Parce que tout le monde fait une faire. Je connais un magistrat et un collègue pour qui il y a un respect. Satish Fogou, je me rappelle. C'était le premier cas que je fais dans ma carrière, moi je parais devant Satish Fogou. Il a démissionné, il est là, il est muni. Mais il n'a pas de rôle dans sa construction, il n'a pas de tas de terrain, après il a démissionné. Alors, je veux dire, tout le monde a le droit et le choix qui nous faisait respecter ça. Nous faisait respecter ça. Bien. Mais il y a une façon de le faire. Okay? On évoque juste le cas de M. Santoki dans Oulette ou... Non, on évoque juste un seul cas parce que, comme leader de l'opposition, je fais une représentation que je fais finalement une photo. Et je ne suis pas capable, moi, ça ne coûte là, je suis moi complice d'une situation comme ça. Quand un poste constitutionnel m'a préoccupé, je trouve une situation comme ça, je suis bien à l'aide du chairman of the judicial legal service. C'est ça nous veut dire où là. Dans le bureau DPP, il y a un candidat in waiting, dans le judiciaire, il y a un candidat in waiting. Pour un moment, je suis prime minister in waiting. Vous connaissez, comme dit de l'opposition. Your prime minister in waiting. Maintenant, you're going to have a new prime minister in waiting. Thiago. We're all waiting. As long as you wait according to rules. La Valais dit que la population peut wait for changing of government. Mais la population peut faire dans le respect de la loi et pour son gouvernement là, comme on disait. Ok? Nous comprenons qu'il y a un gouvernement sans aise pour réussir une coupable pour faire l'enquête. C'est pour Avin Jagnat, le journaliste me pose une question. Mais quand il est arrivé au crime là, il dit qu'il n'y a pas qu'à demander la police ça. Parce que c'est des pouvoirs différents. Avin Jagnat, pas qu'à pas demander la police ça. Mais seulement dans le cas Sherry Singh, l'icône vient dans le meeting et il vient dévoiler des informations confidentielles au Sherry Singh. Quand il y a l'information là, il faut des qui des gens qui détenaient l'information confidentielle là, ils donnent les. C'est-à-dire quand il suits Pravin Jagnat, il n'est pas pour causer la police, mais quand il suits him, il will. Comment Arvin Indiao, quand un chef de l'État, ou pas agir comme un chef de parti politique, because you have the responsibility of the state of the people at hand. And there is the difference. A simple leader of a political party, cheap, as opposed to a head of state. Big difference. Il y a difficulté pour comprendre un agent MSM, mais pour travailler, ce qui pouvait faire connaître comment l'INBO, qui fait parce le poche. Parce que nous pouvons faire une manière que la police n'a pas senti dans aucune façon attaché et libre d'enquêter. C'est ça la chose. C'est et ça. Ouais. Et l'affaire familiale, tu as un camouflage, là. Non, ou pas penser à MSM qui a envie de connaître que saint sur Azan. MSM a envie de connaître. Oui, on ne va pas dans les détails. Par exemple, ça. On ne va pas dans les détails, mais laisse le nouveau gouvernement pour bien faire la lumière sur toute la question. Pas bien commencer par un suicide. Comment ça? Bien, et nous connaissons l'arrivée, c'est mode. Une personne parle, c'est indifférent, il y a sorti. Et en plus, un du monde qui fait ouais. Qu'un bénéfice du doute, ouais. Doute. Je viens de dire, madame, là, besoin d'arrêter de faire ce cinéma. Vous connaissez qui était ça? Une madame qui perdit son mari. Tant bien, hein? Une madame perdit son mari dans une situation atroce. C'est-à-dire, quand Michel-là, sur les corps, retourne la case pour l'enterrement, guette l'état. Dernier souvenir sur madame Ina de l'écho de son mari. Dit-elle qui son mari ne suicide lui.
C'est une madame qui tout le temps fin montrer lui très humble, très tranquille, silencieuse, respect des traditions anciennes, derrière son mari responsable de tout à la maison. Sa madame-là, fin bizarre retrouve lui du jour au lendemain, l'eau en place publique pour bizarre débrouille sur la vie sans son mari. Du moins, fin remet tasse. L'honnêteté matrimoniale, vous rappelez ce qu'il y a mes amis de faire? Du moins, il y a une autre vidéo contre lui, vous rappelez ce qu'il y a mes amis de faire? Pour décrédibiliser lui, vous guettez comment MSM est capable d'abaisser lui de qui façon? Enfin, sorry pour abaisser lui, je désabat. Insulter une madame, une veuve, c'est qu'il y a une vidéo pour démontrer qu'il soit disant, il n'y a pas madame là, pas pour plus que ça. Et à ce stade-là, ou envie que cette madame-là agisse dans la cour de justice de la même façon telle une personne normale, après qu'il finisse passer un traumatisme pareil, et après qu'il peut vivre un traumatisme, toujours. Et à ce qui quand il dit, arrête de faire au cinéma. Non. Souris. Voilà un peu que nous sommes arrivés aujourd'hui. Peut-être une dernière question, quand tu peux faire référence non, à la feuille, une photo ou disposer pour deux ans après. Oui, bien sûr. Et là, ici. Moi, pour forward l'île au WhatsApp, vous êtes tout. Une question à former and present. FCC, une finie comment s'opérer. Depuis grand matin, nous avons dit l'enquête est démarrée l'eau un membre de l'Alliance. Richard Duval a commenté à monsieur l'ex-leader de l'opposition. Je n'ai pas la confirmation de la chose, mais pour le moment, je n'ai pas dit quelque chose. C'est que le DPP lui-même, ce bureau, le DPP fait une mettre constitutional challenge against the Financial Crime Commission qui est à la Cour suprême. Si on ne pas trompé, l'affaire peut être appelée très vite. Il est nécessaire que l'affaire soit appelée très vite parce que, clairement, si la loi est faite pour qui ce l'effet, on appelle l'île ad hominem, c'est-à-dire pour attaque N du monde en particulier, pour attaque N class of people in particular, l'opposition, le leader de l'alliance, Dr. Angoulam, clairement, ça la loi là dangereux. Et la loi, quand le DPP n'est plus, il y a deux mots à dire. Et moi, je prends le point devant la cour intermédiaire, je vais dire, quand, pour moi, qu'est-ce qui m'a défendre. Si je peux faire les 20 points de droit, il n'est plus pas devant le DPP pour que le DPP takes a stand on that point of law qui m'a fait raise. It is the Financial Crime Commission lit tout seul qui décidait. Si je peux raise un case, un point of law, par exemple, abuse of process, je n'ai pas pour avoir le DPP. La loi dit que je n'ai pas besoin avec le DPP. Alors pour moi, je peux raise le point que l'affaire doit être prononcée devant écouter et prononcer un jugement devant la Cour suprême dans le Constitutional Challenge pour nous connaître si la loi-là vaut quoi que ce soit. Peut-être ça pourrait même jusqu'à Privy Council. Knowing the stubbornness of certain people, it can even go to the Privy Council. Moukadjou, franchement, pour moi, moi, tu prends le point dans le débat à l'Assemblée nationale que ça va un amendement qui finit à mener pour retirer le pouvoir du DPP. Fin être voté à l'Assemblée nationale sans la majorité requise d'après la Constitution. Et de ce fait, it goes against the Constitution. Point. Alors pour moi, c'est trop important. Alors pour moi, je suis convaincu que c'est la loi qui fait fi à la Constitution, qui fait mettre ensemble pour viser les membres de l'opposition. Et puis poser la question bien simple. D'accord? Tout ce savant case qui nous peut causer, qui se là. Tout ce savant affaire qui Financial Crime Commission peut investiguer. Tout ce savant. Lettre qui Bruno Lorette final quitté, un document qui n'a quitté par Mervyn Beaton, par Bruno Lorette qui final financial, ICAC, maintenant Financial Crime Commission. Ou pas tant non, yeah? Mais, ou pour tout premier ministre, il y a une cause bonne affaire qui n'arrive, il y a bon Dieu connaît 15 bonnes années là, parce qu'il concerne un adversaire politique. Alors, pour moi, sorry, vous connaissez, dis-le sur le canal. Dis-le sur le canal. C'est pas la première fois qu'MSM vise ce bon. Adversaire politique et autre cause dito sur adversaire politique. À Sarniro de Finfeli, maintenant, quand il tire ensemble à MSM, nous fin trouvons les éléments. Aujourd'hui, Moka Diaou, que le fils, qu'on peut faire la même chose, pire.
pire, parce que il vient politiser toutes les institutions. Laisse-moi ajouter. C'est l'arme politique de l'exécutif. Ok? Et vous comprenez très bien qui vous le retient le pouvoir qui le NDPP là. Et n'a rien pas qui empêche que les deux institutions qui travaillent ensemble. Mais quand on a une provision là, la loi là, il donne un pouvoir absolu au directeur du Financial Crime Commission. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous connaissez, Madame Deluc, il dit avec raison que the DPP is next to God. Ça n'a pas bien dit, pas capable de justifier ce malade. Mais ici, vous pouvez donner pouvoir à une personne qui lit qui vous décidez. Si pas capable de l'avoir bien, non. Et clair et net, c'est l'arme politique de l'exécutif. La raison pour laquelle nous finissons dire qu'il nous peut doué avec Financial Crime Commission et vient avec un Serious Fraud Authority Office, ok? Jacques Mohamed, tout en respectant l'institution qui est le bureau du DPP, de ou propre opinion légale, est-ce qu'il est là à venir pour faire l'appel d'un jugement sur Minaden? Il y a des affaires. Il y a le judicial standard pour tout qui est coupable. Et là, le political standard. Pour moi, c'est des affaires différentes. Pour moi, ce qu'on veut dire, si moi, un politicien qui a benefit of doubt, et doubt is looming over my head, then it is not a victory. Par contre, legally speaking, quand un magistrat fait une appréciation des faits à sa façon, si if it is fundamentally flawed, par exemple, le cas affaire de shifting of the evidential burden, very technical issue. Si il y a quelque chose de là, peut-être oui, vous êtes capable de faire l'appel. But, pour moi, la discrétion de décider pour faire appel ou non, c'est au DPP. Et certainement, je ne vais pas mettre l'opinion là, ni mettre de pression là, qui que ce soit. It should not be interpreted as that. C'est les affaires que je vais dire au moins que Pravin Jagnat peut jubiler tout en sachant que la magistrat n'a doute le socolistier. C'est un peu comique, en fait. Ou t'as appelé ce mot, je suis content, Qui va dire ça, doute le mot policier? Mais la crise blanche, il a un capot quand j'ai dit non? Non, non, it's not blanche, c'est gris. Grayish. Ok? Merci beaucoup. Okay.